Et voilà, tout de suite la violence, on sort les grosses flingues, les gros flingues, on discute même pas. Ami, tu ne résoudras rien par la violence. Quoique, peut-être que si, en tout cas dans ce jeu, on peut résoudre plein de choses par la violence. Ça s'appelle GTA 3, sur PlayStation 2 que ça se passe. Regardez, accord parental souhaitable, la petite rondelle, éloigner les enfants du poste. D'abord parce que GTA 3 est très très immoral. On ne fait que des vilaines choses, on vole des voitures, on écrase des piétons, on provoque des horribles accidents, etc. Et c'est parce que c'est aussi immoral que c'est aussi bon, et c'est parce que c'est aussi caricatural que finalement c'est pas si grave que ça, ça reste de la réalité virtuelle. Marcus, grand voleur de voitures. Oui mon Pierre, je vais passer mon temps à voler des voitures dans Grand Theft Auto. Oui, ça s'appelle Grand Theft Auto. Oui, c'est la traduction littérale du titre, c'est pour ça. Ah, j'avais pas, excuse-moi, mes notions d'anglais. Grand voleur de voitures, Grand Theft Auto. J'aurais dit plutôt grand volage de voitures, moi. Enfin bon. En tout cas, l'idée, vous connaissez peut-être les premiers GTA 1 et 2 qui étaient sur PlayStation, qui étaient vraiment exceptionnels. On vous lâchait dans une ville, vous pouviez piquer toutes les voitures que vous vouliez. Dans GTA London, on pouvait même piquer des gros bus rouges et des taxis londoniens. On pouvait commettre des crimes, vendre de la drogue, enfin vraiment des trucs terribles, terribles. C'était vraiment étonnant comme jeu, très très surprenant et vraiment bien foutu en plus, malgré le côté immoral, mais bon ça c'est pas grave. Et puis là, tout à coup, on sort de la 2D et on passe en 3D, avant tout était vu du dessus. Maintenant vous allez voir que tout est en 3D, comme dans l'intro, comme dans le générique. C'est presque aussi beau d'ailleurs, c'est les mêmes graphismes. Allez, je suis sûr que vous en pouvez plus, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend ce jeu. Donc j'appuie sur Start et on va y aller. Ah bah voilà, ça me va très bien le petit jogging, regardez, avec un crâne chauve peut-être. Que je me fasse découper les cheveux. Donc au début du scénario, le personnage, le héros, c'est vous, c'est lui là. Vous voyez qu'il sort de tôle, il vient de s'évader et il se retrouve avec un petit uniforme de prisonnier. Donc pas question de rester dans cette tenue là. Il va falloir aller choper une tenue qui vous permettra de mieux, de passer inaperçu. Alors regardez, je dirige le personnage, je peux aller absolument partout où je veux, c'est vraiment de la 3D. Je peux aussi regarder partout où je veux. Vous voyez là, il y a comme un gros accident sur le pont. Et puis surtout, je peux emprunter les véhicules que je veux. Alors on va prendre celle-là. Pousse-toi, c'est moi qui conduis, et c'est parti. On va aller rejoindre mes potes de la mafia, puisque l'idée c'est que vous commencez en tant que petit bras dans la mafia, vraiment le gars de base qui sait pas faire grand chose à part piquer des sacs à main à des vieilles à la limite, et puis petit à petit vous allez peut-être monter en grade, et vous aurez des missions de plus en plus intéressantes. Mais premier truc, allez se planquer pour pas se faire choper par la police. Alors il y a un radar en bas à gauche de l'écran, vous l'avez peut-être aperçu, et le petit point rose c'est l'endroit où je dois me rendre, donc c'est par ici, on dirait bien. C'est la deuxième à gauche. Ah non, c'est plus loin que ça en fait. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment aller où on veut dans cette ville. Elle est vraiment immense. On n'est pas obligé de suivre les flèches et d'aller là où on vous demande. On peut vraiment tourner absolument partout. Il y a même des petits trucs qui ne sont pas sur les cartes. Il y a plein de trucs planqués, plein d'idées, plein de choses à faire. Il y a des missions, là on va voir. On va commencer par choper une mission, histoire de faire les choses dans l'ordre. Voilà, les endroits où c'est bleu là, comme ça, il faut que je m'arrête pour récupérer une mission. Là pour le moment, la mission consiste à changer de fringues, c'est pas possible de rester en uniforme de prisonnier dans une ville. On va se faire repérer. Vous verrez quand on a le personnage, il y a des petites étoiles en haut à droite de l'écran. Ça représente un peu son casier judiciaire. Plus vous commettez d'infractions, de meurtres, etc. Et plus vous avez d'étoiles et plus vous êtes recherché par la police. Donc des fois, il vaut mieux se tenir à carreau, se déguiser, changer de voiture pour pas que les flics vous repèrent. Voilà, là on va aller chez Luigi, qui va peut-être me trouver du boulot. Très bien, allons-y. On va partir en marche arrière. Alors la conduite est assez étonnante parce que quel que soit, vous pouvez changer de véhicule, il y a vraiment tout, hein, des gros camions, des bus, des taxis, des ambulances. Vraiment c'est incroyable le nombre de trucs qu'il y a. Et chaque voiture se conduit d'une manière un peu différente. Un gros van sera un peu poussif alors qu'on peut avoir des super voitures de sport qui vont super vite. Alors c'est où? C'est à droite sur la... J'ai oublié de lever mes bras si je veux voir le petit radar qu'il y a derrière mes mains, vous voyez. Oh, j'ai écrasé un gars. Regardez derrière, on peut regarder derrière, le cadavre reste. Donc oui, donc accord parental souhaitable, bien entendu, les enfants, allez vous coucher, allez compter vos Pokémon vite fait, parce que vraiment, il faut pas rester là. Ça va être très immoral, on va avoir un peu de sang giclé, on va écrabouiller des piétons, etc. Tout ça est assez terrible, mais en même temps, c'est vraiment du second degré. C'est tellement énorme, en fait, que ça ne peut être que du second degré. Évidemment, c'est pas un jeu où on vous recommande de faire ça dans la vraie vie. L'idée, c'est de rigoler avec ce genre de choses, comme peuvent le faire les films au cinéma, les films de gangsters, avec des mafiosi, etc. Bah, c'est le même principe ici. Sauf que là, évidemment, vous n'êtes pas spectateur, vous êtes acteur. Alors c'est peut-être pour ça que moralement, c'est un peu plus gênant. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Hé, retourne dans ta casse, il veut pas que je... Je crois que j'avais rendez-vous avec Luigi.
quand j'y suis. Ah, faudrait peut-être que je rentre la voiture là-dedans. Voilà, vous voulez que je me gare juste devant. J'étais pas super bien garé. Et donc, dans la mafia, ils sont assez pointilleux. Donc, première mission, les filles de Luigi. Parce qu'il y a toute une histoire de raquettes, tout ça, de prostitution. Alors, vous allez voir, on va rencontrer le boss. C'est vraiment comme dans le film Les Affranchis. Je sais pas si vous vous souvenez de Joe Pesci. You're talking to me. Il trouve que je suis drôle et tout ça. Ouais, bah, on va l'entendre. Écoutez comment il parle, c'est génial. Et c'est sous-titré en français en plus. C'est comme ça qu'on frappe à la porte dans la mafia à coup de latte. Say hello to 8-Ball, lady. Bon, ouais, arrêtez de jouer avec la porte, les gars. On peut causer deux minutes. Some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. Voilà, vous avez entendu l'accent, c'est vraiment Joe Pesci ou Robert De Niro dans Les Affranchis. D'où me fait voir. Vraiment, c'est assez étonnant et assez drôle. Voilà, j'aime bien aussi les petits écrans de chargement, ils sont très stylisés, très très réussis. Alors regardez, ça c'était ma voiture, celle que j'avais tout à l'heure. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle bagnole. Par exemple, on va virer le chauffeur de taxi, pardon monsieur, et on va prendre sa place. Donc ça permet d'avoir des bagnoles plus costauds ou alors qui vont plus vite, enfin elles ont plein de qualité. Ou carrément, pour certaines voitures, là c'est le cas avec un taxi, je peux avoir des missions secondaires. J'ai des missions que me confie la mafia, mais il y a aussi d'autres missions. Donc par exemple, là, si j'appuie sur la touche R3 en fait, ah, je peux pas le faire tout de suite, faut... mais enfin, il y a des gens qui conduisent pire que moi dans cette ville. Par exemple, je peux devenir chauffeur de taxi, histoire de gagner du fric. C'est-à-dire, tout à coup, le jeu, ça devient Crazy Taxi, vous récupérez des clients et vous essayez de les emmener à l'endroit où ils vous demandent de l'amener. Vous avez vu comment je conduis, comme un goret, avec la voiture qui s'abîme au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment excellent. Mais je suis censé aller chercher la copine du mafiosi. Donc, on va y aller. Regardez comment on peut couper. C'est vraiment étonnant. On peut absolument tout faire dans ce jeu. Traverser les petits parcs, c'est pas un problème. On peut vraiment faire des trucs déments. Écoutez l'autoradio un petit peu. Ça, c'est marrant aussi. Chaque voiture a un autoradio. Tiens, là, je passe devant le commissariat de police. Regardez. Donc, si je voulais faire un casier judiciaire super blindé, je pourrais tout à fait écraser 2-3 flics et 2-3 piétons devant le commissariat. Là, je suis sûr que ça va grimper dans mon casier judiciaire. Je vais être très très vite recherché. Voilà Misty. Mignonne Misty. Vous entendez sa voix? Voilà, donc on va l'amener Misty là où elle me demande de l'amener. Donc je sais pas si elle veut faire du shopping ou pas. On va tenter la petite ruelle. C'est peut-être un cul-de-sac. Hein. Ah bah oui, c'est un cul-de-sac. Mais il faut essayer parce que de temps en temps, il y a plein d'endroits dans cette ville où on peut se promener et qui sont pas forcément prévus. Voilà, j'ai écrasé un petit piéton au passage. Regardez, la police tout de suite intervient. Il me court après. Je sais pas s'ils vont me courir après très longtemps, on va voir, je vais essayer de leur échapper pour le moment. Là je suis avec Mitzi donc on va essayer de l'emmener, allez, 2-3 piétons pour le principe, voilà. C'est ça qui est dément dans ce jeu, c'est qu'il y a des missions mais on peut vraiment faire ce qu'on veut et se promener librement, voilà, rouler au milieu des plates-bandes, enfin vraiment c'est délirant, tout est en 3D, on peut absolument aller partout. Bon pour le moment je vais me focaliser sur le rendez-vous. Vous avez peut-être vu aussi les messages de texte qui s'affichent de temps en temps. Et qui vous explique tout ce qu'on peut faire avec les voitures, donc avoir des missions supplémentaires. Là vous avez vu, j'ai pris un raccourci, c'est un truc qui n'était pas sur la carte. Là regardez, ce trajet là n'est pas sur la carte non plus, mais c'est un raccourci donc je peux le prendre. Et je vais ramener Mitzi à son boss, juste devant la boîte de stripteaseuse. Regardez un petit peu, c'est un bar de stripteaseuse avec des bunnies, etc. Girls, 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 qui a écrit. Voilà, bon on va juste remonter avec moi Mitzi. Voilà, elle est montée à l'arrière, parce qu'il faut que je t'emmène juste là en fait. Voilà, je me pose. Et elle descend. Super! Donc j'ai gagné 1 500 $. Avec ça, j'allais dire, on peut acheter des voitures, mais c'est pas la peine puisqu'on peut les voler. Donc finalement, voilà. Là, je peux avoir. Il m'a parlé de la touche R3. Voilà, taxi driver. Voilà. Maintenant, je me suis mis en mode mission pour le taxi. Donc je peux essayer de trouver un client. Je crois qu'il y en a un, ça se voit sur la carte. Essayez de pas l'écraser. Il y a un client pas très loin. Voilà, regardez, il est sur le côté. On va aller chercher. Voilà. Monte, mon gars. Et on va voir où il veut aller. Donc avec cette petite mission là, ça me fait une petite pause au milieu de ma carrière du crime, je peux parfaitement amener ce gars à l'endroit où il veut, donc en l'occurrence c'est le point rose, allez on va le faire vite fait. Et il y a d'autres missions, par exemple vous pouvez carrément prendre une ambulance et amener des gens à l'hôpital, alors là faut pas trop les secouer sinon vous risquez de diminuer leur durée de vie à ces gens. Et carrément on peut même pousser le bouchon un peu loin, piquer une bagnole de flic et se mettre à arrêter soi-même les gangsters, donc ça j'ai trouvé ça assez drôle. Il y a vraiment plein de choses à faire dans GTA. Et c'est ça qui est drôle, c'est que bah, soit vous vous contentez des missions de la mafia et vous grimpez peu à peu dans la mafia, dans la hiérarchie de la mafia, soit vous vous baladez librement de temps en temps, quand vous avez besoin d'argent, vous pouvez faire d'autres trucs. Bon là je cause,
Et je suis en train de rater. Où est-ce qu'il veut aller? Il veut aller là où il y a le point rose. Et apparemment, j'ai mis du temps. Il me reste plus que 7 secondes pour y aller. Ah, c'est là. Il veut aller là. Est-ce que je vais arriver à temps? Voilà, je dois y être juste à temps. Ouf, 220$. Pas mal. Donc, vous voyez, c'est une petite pause au milieu de mes missions. Je peux aussi essayer de travailler honnêtement si ça m'amuse. Bon, mais le mieux, c'est quand même d'être un gangster. Donc, allons-y. On va y aller à pied. Je peux prendre n'importe quelle voiture. Celle-ci est garée sur le parking. Hop, je la vole. Ça a un peu déclenché l'alarme, je sais pas si vous avez entendu. Par contre, je sais pas comment on l'arrête l'alarme. Donc je vais prendre autre chose. C'est génial le fait de pouvoir changer de voiture à tout moment. Donc le truc, c'est faire descendre le conducteur sans ménagement, voilà, et se barrer avec sa voiture. Alors là, par exemple, j'ai un van, c'est un peu plus poussif que la voiture que j'avais tout à l'heure. C'est pas la même musique, écoutez, c'est la musique lyrique. Évidemment, l'autoradio s'est arrêté pendant ce temps-là. Mais il y a tout un tas d'autoradios, on peut changer avec les touches là, on peut changer d'autoradio. Là, je vais me mettre sur Game FM, par exemple. Il y a du reggae, il y a des trucs des années 80, il y a vraiment tout comme musique. Oh, elle est chouette, cette voiture, tiens. Voilà, donc je m'arrête juste devant, vous avez vu, j'ai pilé, je l'ai bloqué avec mon autre voiture. Et je peux monter dans celle-là. Alors, le truc étonnant, c'est que si vous attendez un peu trop, oh là, c'est une vieille dame, elle ne fera pas grand-chose, des fois, vous tombez sur des mecs un peu chauds qui se battent et qui veulent pas que vous leur piquiez leur voiture. Et dans ce cas-là, c'est assez étonnant, mais ils vous cognent un peu, ils reprennent leur voiture, ils la récupèrent. Donc ça, c'est vraiment génial, cette espèce de sensation de liberté, tout peut arriver. Vous pouvez tout à fait vous arrêter en plein milieu de la rue, commencer à baffer des gens. Tiens, je vais le faire. Allez, juste pour le principe, regardez. Je descends, vraiment la racaille, regardez. Et je frappe les gens dans la rue, carrément. Donc en général, ils s'enfuient, parce qu'ils sont pas très courageux. Mais ça m'est arrivé un peu au hasard de tomber sur un mafiosi qui avait un flingue, et lui, il m'a carrément buté, quoi. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui rendent le jeu vraiment très... Oh là là. Là, vous avez vu la police, regardez. Il me court dessus, il me court à pied. Il espère qu'il va m'avoir. Oh là là, il est monté carrément. Je me suis fait coffrer, voilà. Je voulais l'écraser en allant en marche arrière. Donc voilà, je me suis fait coffrer. C'est intéressant d'ailleurs qu'on voit ça, parce que quand on se fait coffrer, on perd l'argent qu'on avait sur soi. On se retrouve en prison quelques temps. Et puis, notre casier judiciaire se remplit, on va dire, dangereusement. Donc voilà, là, il m'a remis au début de la mission. J'aimerais bien prendre cette décapotable. On va essayer d'aller la choper. Et toi, là, donne-moi ta voiture. Oh là là là. Ah non, il veut pas. Évidemment, à pied, c'est plus difficile de bloquer les gens. On va reprendre un taxi. Il y a des milliers de choses à vous faire voir dans ce jeu. Je sais plus, il y en a tellement. Je sais pas par où commencer. Regardez les vues, la vue intérieure déjà. Quand même très très impressionnante. Tout est en 3D, donc c'est génial de pouvoir se promener. On va aller chez Luigi, donc le boss de la mafia, histoire de récupérer une petite mission. Ce serait pas mal. Donc regardez sur le radar, c'est là où il y a le L. L pour Luigi. On se demande ce qu'ils font Mario et Luigi quand ils sont pas dans les jeux Nintendo. Et ben voilà, ils contrôlent la mafia dans d'autres jeux. On en apprend des choses sur eux. Souvenez-vous déjà, on a fait un level 1 dans Mario Paper il y a pas longtemps. Et au début, on s'aperçoit qu'ils habitent ensemble, Mario et Luigi. Peut-être qu'ils sont paxés, allez savoir, deux moustachus comme ça, ce serait pas très étonnant finalement. Bon allez, pour le moment, je vais aller chez Luigi. Regardez cette espèce de caméra, c'est pas la plus pratique. Mais en tout cas, ça donne un truc assez dynamique. Il y a aussi la vue du dessus, on l'a aperçu. Voilà, je vous la refais. Ça, c'était la vue de GTA. Les deux premiers GTA étaient vraiment comme ça. Donc déjà, on rigolait bien, mais c'était pas hyper pratique. Donc là, ce qui est pratique, c'est de profiter de ces vues. Voilà, là, j'arrive devant chez Luigi. De profiter des vues en 3D. Par contre, pour aller chez Luigi, il faut descendre à pied. Puisque ça se trouve dans cette espèce de petite ruelle. Vous avez peut-être remarqué que la nuit était tombée entre-temps. Parce qu'il y a des heures, des jours, etc. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller. Par exemple, il y a un garage avec un gars qui vous file du boulot. Mais ça n'est ouvert qu'entre 5h du matin et je crois 21h. Si vous y allez en dehors des heures d'ouverture, vous ne pourrez pas rentrer. Tiens, alors une petite mission. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, là, il y a des gens qui vendent de la drogue et ça lui plaît pas du tout. Donc, on va aller donner une petite correction à un dealer de drogue. Ça, c'est plutôt bien. Je crois pas qu'on puisse vendre de la drogue dans celui-là. On pouvait dans le premier, ça avait quand même fait hurler beaucoup de gens. Commencez par moi. Enfin bon, tout ça est vraiment du second degré, donc il faut pas le prendre au pied de la lettre. Les familles de France, là, c'est pas la peine de nous écrire. Vraiment, tout ça, c'est pour rire, c'est pas bien méchant. Pas plus méchant que n'importe quel film de gangster, finalement. Voilà, donc on ne fait jamais ça dans la vraie vie. On est bien d'accord, on le sait bien. Et il y a zéro problème sur ça. Bon, c'est quoi? Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui est en train de me frapper, j'ai pas suivi. Vous voyez, il voulait pas que je prenne sa voiture. Donc il m'a carrément fait ressortir de sa voiture. De temps en temps, on tombe sur des mecs un peu chauds. Oh, elle est pourrie cette caisse. Je vais la prendre quand même. Et regardez, au passage, je vais reculer dans la voiture de police. Oh là, faudrait pas qu'il me coffre. Ah, trop tard, j'ai pas eu le temps de démarrer. Me voilà coffré pour la deuxième fois. Donc en plus, j'ai raté la mission évidemment.
Donc je suis obligé de retrouver une voiture et de recommencer dès que je sors de prison avec mon petit casier judiciaire qu'on a pris un coup au passage. Vous voyez comme il est classe avec son petit blouson de cuir et son pantalon de treillis. Et si je piquais une bagnole de flic? Allez, soyons courageux, on va faire ça. Le mec sort de tôle et il se barre avec une caisse de la police. C'est quand même génial. Donc voilà, dans l'idée, je trouve ça super de pouvoir faire absolument ce qu'on veut. Je peux même mettre la sirène, je crois. C'est quand même la prime. Donc voilà, je sors de prison avec une voiture de police. On ne se gêne pas. On est comme ça à Game One. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller chez Luigi chercher une mission. C'était ça mon truc. Ouais, donc c'est pas par là. Regardez un peu, voilà, la dynamique des voitures est assez démente. On peut faire des cascades incroyables. Ça peut même rapporter des points d'ailleurs de faire des cascades. Donc vraiment, il y a plein de trucs à faire. On se sent très très libre. Et c'est très très agréable de pouvoir faire tout ça. Allez, je retourne chez Luigi cette fois. J'essaye de faire la mission sérieusement un petit peu. Parce qu'à force de vouloir vous faire faire des trucs, du coup, j'avance pas beaucoup dans le jeu. En même temps, on n'est pas obligé d'avancer dans le jeu. Ça, c'est vraiment super. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ce jeu. C'est le côté liberté totale, on fait vraiment ce qu'on veut. Ah, je suis passé devant chez Luigi, j'aurais dû tourner juste avant. Bon, c'est pas grave, on va tourner à la prochaine rue. Voilà, on va passer sur le côté. Qu'est-ce qu'ils écoutent comme radio à la police, tiens? Ah, il n'y a pas d'autoradio, je suis en train de chercher, mais il n'y a pas d'autoradio dans la voiture de flic. Vous pouvez aussi voler des voitures et les amener ensuite pour repeindre, pour pas qu'on les reconnaisse. On change le moteur, on les repeint, etc. Donc tout ça est très très étonnant. C'est vraiment très très riche, très varié. Le premier quartier dans lequel vous vous trouvez est immense. Et ensuite, il y a d'autres quartiers. Il y a vraiment plein d'endroits à visiter. On peut prendre le métro, on peut prendre le train, on peut même prendre des bateaux. Enfin, c'est vraiment très très riche et hallucinant. Voilà, donc on était parti pour donner une petite correction à un dealer, ce qui est plutôt une bonne idée. Donc on va, allez, ce coup-ci, je vais juste prendre cette voiture. Voilà, et m'enfuir sans demander mon reste. Je vais peut-être un peu accrocher la voiture de police au départ, mais c'est pas très grave. Voilà. Oh, je sais pas si on aura le temps d'aller jusque chez le dealer pour lui foutre une correction. Vous avez vu que j'étais juste avec les points, mais on peut trouver des flingues, des mitrailleuses. Enfin, vraiment, vraiment, c'est très, très riche. Donc, je vous le recommande chaudement, GTA 3. Vraiment, c'est excellent. Je suis sur PlayStation 2 que ça se passe, et c'est un des meilleurs jeux de la PlayStation 2 pour le moment. Voilà, allez, c'était Marcus, du mauvais côté, du côté de la force obscure pour une fois. Moi qui suis si gentil, ça change, hein. Mais ça fait du bien de temps en temps de se défouler. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures du côté de la loi cette fois, c'est promis, ciao.